à vous, ici Fred Laolès et on se retrouve pour un nouvel épisode du Dissident World. Ouais, Fred est sur le Dissident World. Et oui, je suis de retour de vacances et j'ai eu envie de vous faire un petit épisode sur le Dissident, comme ça, à l'arrache. On est passé en 1.14.3. Oula, je fous un coup à mon casque, je sais pas si vous aurez entendu le bruit. J'ai levé les mains, je fous un coup à mon casque. Ok. On est passé en 1.14.3 qui doit corriger pas mal de bugs. Et ouais, j'ai eu envie de faire un petit coup de Dissident World, les amis. Donc, c'est parti. Je sais pas si vous vous souvenez si quand je vous avais laissé l'autre fois. Je vous avais dit que je ne savais pas comment faire la caisse, vu qu'on est en... Je vais essayer un truc, hein, c'est de l'essai, pareil. Hein. Vu qu'on est en médiéval, on n'a pas forcément on n'a pas une caisse automatique. Je vais tenter un truc. Hop. Si je mets ça comme ça... Hop. Ouais, ça peut le faire, hein. Non? Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous, les amis? Je suis en train de réfléchir en même temps. Ne m'en veuillez pas. Ne m'en veuillez pas. Ou mieux, là. Et là, la petite caisse. Hop, cachée dessous. Voilà, tranquillou, cachée dessous. On paye, paf, paf, paf. On rend la monnaie et on cache l'argent dans la caisse qui est cachée dessous. Parfait, les amis. Ça, je valide. Je valide, les amis. Par contre, le comptoir, est-ce que j'ai de la laine marron? Est-ce que j'ai de la laine marron? Je n'ai pas de laine marron. Est-ce que j'ai des moutons? Est-ce que vous savez si j'ai des moutons? Répondez pas tous à la fois. Je sais que vous ne pouvez pas me répondre, les amis. Je le sais. On va aller tondre quelques moutons. Oh, c'est un épisode tranquillou. Je reviens de vacances. Vous l'êtes sûrement aussi. Je ne vais pas me prendre la tête. Je vais vous expliquer un petit peu ce que je vais faire sur Dissident World. Là, je vais finir la couturière. J'ai l'intention de reprendre mon style, c'est-à-dire le post-apocalyptique. Donc, sur mon biome, évidemment, j'irai... Est-ce que je les ai fait, les moutons, là? Non, j'ai fait que les vaches, hein, ouais. Sur mon biome, j'irai donc faire... finir Diamond City. Donc, évidemment, Dissident World revient, hein, vous l'aurez compris. Vous êtes dissidentes, les poules. Je ferai Diamond City, donc. Tac. Et je ferai du post-apo. Hop là. Parce que c'est ce qui me correspond, parce que c'est mon style, tout simplement. Non, 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 casse-toi. Casse-toi! Là, tu t'y as échappé belle. Parce que c'est ce qui me correspond, parce que c'est mon style, parce que c'est ce que j'aime. En dehors de Minecraft, je joue très souvent à Fallout 76 et à Borderlands. C'est les jeux que j'adore. J'ai fait des Dying Light. J'aime le post-apo, j'aime les zombies, j'aime ça. Et du coup, j'ai envie de faire du post-apo. Donc...
Donc voilà, j'ai envie de me définir comme un youtubeur. Je ne me considère pas comme un youtubeur, mais bon, comme un vidéomaker post-apocalyptique. C'est ce que j'ai envie de faire et c'est ce que j'aime surtout. C'est ce que j'aime surtout faire. Donc ouais, je pense faire aller en ce sens. Voilà, les amis. Tout simplement. Est-ce qu'il y a un milieu ou est-ce qu'il y en a deux là? Une, deux, trois. Il y a un milieu. Tilalilala. Donc voilà. Tout simplement, je compte reprendre le post-apo de plus belle. Peut-être refaire. Non, j'ai pas demandé ça. Peut-être refaire la ville de Mégaton que j'avais adoré faire sur Ragnablock saison 3. Peut-être la refaire. Mais la refaire. Ah, j'hésite à la faire avec des blocs de fer, mais non, je la ferai legit. J'ai envie de vous faire. Comment dire? La ville de Mégaton, ouais. Mais avec la ville de Diamond, vous voyez les époques qui se rencontrent, on va dire. Ah, ben là, j'en ai 16. Mégaton avec Diamond City, je vais peut-être essayer de voir pour vous faire. Ah, ben là, il n'y en a pas. Ah, il n'y en a pas. Ah, ben bravo, la Oles. Ah, ben bravo, la Oles. Donc, du coup, on va pas mettre celle-là là. Vous allez voir comment on va faire. Tac. On mettra une petite bordure en dalle avec de la Galavastone. Ça peut se faire là dans mon truc. Parce que la dalle laisse passer, n'est-ce pas? Ou. Idée. Ah, ça peut être sympa, ça. Je réfléchissais, hein, les amis. Je réfléchissais. Je ne vous ai pas laissé tomber. Ça peut être sympa. Alors, on prendrait du chêne dans ce cas-là. Ah oui, mais s'il n'y a pas de milieu. Bah ouais, mais s'il n'y a pas de milieu, ça n'empêche pas que une. Tac. Attends. Non. Une, deux. Ça sera en deux. Ouais, on va laisser en dalle, hein. Andale, c'est pesé. Hop, est-ce que j'ai une pelle? J'ai une pelle, une pelle en fer. Tac, voilà. Quoique, j'aurais très bien pu en faire que. Les amis. Je sais, il faut en enlever qu'un. Je reviens de vacances, les amis. Soyez indulgents. Parfait. En plus, ça donne un petit peu de relief, je trouve. Ça donne un petit peu de relief, je trouve. Petit épisode aujourd'hui, les amis. Tranquille ou peinard, on continue. Et donc, ouais, comme je vous le disais, donc. Merci.
Je vais reprendre donc Dissident. Comme ça me faisait chier de laisser Dissident World. C'est quand même mon serveur. Et même s'il y a très peu de joueurs, il y a Mandy Chalimar qui joue et je l'en remercie. Je suis très très heureux qu'elle soit. Bah là, on ne peut pas mettre parce qu'il y a poster. Si, on va les mettre plus haut, les posters. On va les mettre plus haut, vous allez voir. Il faut retrouver les mêmes par contre. Hop, oh merde. Ne dis pas merde, Fred. Pas vrai, ça. Attends. Hop, comme ça. On est peinard pour le 4, normalement. Voilà, parfait. Hop. Ouais, premier coup. Ça, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Hop. Et donc, on peut remettre nos tac, tac, comme ça. Parfait. Nickel. On va faire ça tout le tour, les amis. Tranquillou, hein. On est à 11 minutes. On va pas se prendre la tête, les amis. Tranquillou bilou. Pendant qu'on se fait foutre de notre gueule par Bellatrix Lestrange. Sacré Bellatrix. Ouais, elle se fout de notre gueule. C'est pas grave. On s'en fout de ce qu'elle peut bien rigoler de nous. On sait ce qu'on vaut. Ça pourrait être une petite leçon du jour, les amis. Les gens rigolent de vous, les gens vous font de la misère. Foutez-vous-en. Foutez-vous-en. Vous savez ce que vous valez, les amis. Go fuck yourself. Voilà. Pour reprendre la phrase de French Wrestling Beast. Voilà. Go fuck yourself. C'est tout ce que vous avez à dire à tous ceux qui rigolent de vous, qui rigolent dans votre dos, qui se moquent. Vous en foutez. Vous vous en foutez, les amis. C'est très bien. Grand bien leur fasse. Pensez une chose, c'est que ceux qui rigolent de vous sont bien souvent ceux qui sont plus malheureux que vous et qui cherche un moyen, certes mauvais, mais qui cherche un moyen de se rassurer eux-mêmes. Voilà. Moi, en général, je me dis que s'il a besoin de se rassurer, si je peux être, malgré moi, l'objet qui le rassure. Voilà. S'il a besoin de ça, c'est qu'il est bien plus pauvre que moi. Vous voyez un petit peu, faut réagir comme ça, les amis. Et tout sera beaucoup mieux. Ouais, ça donne un petit peu plus de prestance, je trouve. Hein? Vous me direz ce que vous en pensez. On fera des fenêtres ici, mais je veux d'abord mettre les étals au chapelier. Donc, on peut rentrer au chapelier. Et bien sûr, passer, on mettra des étendards hein, pour passer de l'un à l'autre. Pour faire les rideaux qui se ferment et qui s'ouvrent. Ça peut être assez sympa. Je ne sais pas s'il y a dans Animal Crossing. Il faudra que je regarde. Les amis. Dites-moi aussi, tenez, si vous jouez à Animal Crossing, dites-moi aussi ce que vous attendez, justement. Sur ce nouvel Animal Crossing qui va sortir. Est-ce que j'ai fait là, Claire, vers Claire? Ah, mais j'ai peut-être pas tout pour faire. Je reviens de vacances, je redécouvre mon jeu, les amis. Hein. Veuillez m'en excuser. Ah non, je voulais mettre. Ah non, non, Maï, elle est là. Ouais.
Ah oui, parce que j'avais mis quelques tuniques ici, d'accord. Et là, on cherchait. Bon, non, non, mais c'est parfait. Oh, attendez. On peut faire. Est-ce que j'ai une tunique ou est-ce que j'ai de quoi en faire une? Pire. Je n'ai pas de tunique, mais j'ai de quoi en faire une. Hop, voilà. Qu'est-ce que vous espérez? Est-ce que ce nouvel Animal Crossing vous fait éventuellement de l'œil? Est-ce que vous allez l'acheter? Tout simplement. Voilà, on a une petite chemise blanche, bien présentée. Voilà, vous avez le choix avec la chemise. Là, on verra pour mettre peut-être une grise. Hein? Une grise. Ouais, on regardera ça, les amis, pour le prochain épisode. On reprend tranquillou bilou, comme je vous le dis, hein. On arrive à 16 minutes. On n'aura fait que de la lumière, on n'aura fait que du. Mais c'est pas grave, les amis. On avance. On avance, tout simplement. Ah, attendez, on peut faire ça. Vous allez voir, les amis, vous allez voir. On peut faire ça. Hop. Je vais faire d'autres escaliers. Alors, le centre. Maintenant, il me faut le centre. Hop, voilà. Alors, une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois, quatre. Parfait. Cinq, cinq. Non, cinq là. Le centre est là, les amis. Je vais voir en me tendant. Donc ça comme ça. La nuit tombe encore. La nuit tombe. J'ai pas envie de me faire attaquer. Faudra que je pêche, que j'essaye de pêcher des live mending. Aussi. Voilà. C'est exprès que je fais pas tout le tour, les amis. C'est exprès. Tilalilala. Une. Quatre. Parfait. Vous aurez compris, hein? Vous aurez compris, désolé. J'ai tenté de retenir le petit rototo qui est quand même un petit peu passé. Un petit peu. C'est pas grave. C'est pas grave, les amis. Donc, je suis revenu boosté hein, de mon séjour, comme vous l'aurez vu. Reboosté avec des projets. J'avais vraiment besoin de partir, de m'éloigner. De m'éloigner de. Je pense que même m'éloigner de la France. Ça m'aura fait du bien. Rien que ça, les amis. Ça m'aura fait du bien. On dirait un. Non, peut-être une tortue. Regardez les yeux, là. C'est marrant. J'en ai pas pris quatre. Si, le fer, il est là. Non, c'est en maille. Hop là, voilà, on peut faire aussi. On en a là, parfait. Tac, donc on peut écrire que d'un côté, hein. Hop, alors. Moins 20%. Oui, les amis, hein. Pourquoi
pourquoi pas se priver. Sur le deuxième article. Ah! Hop. Sur le deuxième article. Voilà. Voilà, les amis. Moins 20% sur le deuxième article. Voilà, ça c'est les articles. Voilà, donc après, on fera les petits étalages. Oh, je sais pas si je mettrai bien. Je pense que je ferai les étalages. Il y aura le truc de la caissière aussi, qui sera peut-être par pas par là, parce que là on passe de magasin en magasin. Mais voilà, on fera les étalages pour le prochain épisode, les amis. On arrive à 21, tranquillement. Écoutez, j'avais envie de faire un petit épisode comme ça, tranquillou. Ça va repoper, hein, les épisodes de Minecraft. J'avais besoin de m'éloigner, j'avais besoin de faire le point avec moi. Et puis voilà, hein. J'avais besoin de savoir ce que je voulais faire aussi moi sur ma chaîne. Donc ces vacances, c'est tombé nickel. Voilà, pour me ressourcer. Ça m'a fait énormément de bien. Voilà. Et je reviens petit à petit et ouais, je vais repartir sur du post-apo, faire des trucs aussi jolis comme ça, enfin jolis. Est-ce que estimez-vous que c'est joli? Moi, j'aime bien personnellement faire des constructions, faire des trucs comme ça, mais surtout faire du post-apo parce que c'est ce qui me correspond le plus, les amis. Voilà. En attendant, j'espère que cet épisode-là vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire. Ça me fera toujours plaisir et j'interagirai toujours avec délices, volupté et dissidence avec vous. Mais pour l'heure, il ne me reste plus qu'à vous dire bisous, filles. Amitié aux gars et à très très bientôt. Bye bye.